La première étape dans le jeu va être de demander au joueur d'appliquer en fait le traitement des herbicides. Donc là, on est dans le premier tour de jeu. Hein. Donc tout le monde en fait utilise des herbicides. Donc il suffit de mettre à leur disposition un gobelet dans lequel vous aurez donc disposé suffisamment de jetons roses. Et chacun va poser sur sa carte d'activité le nombre de billes roses nécessaires. Donc là, par exemple, bon, c'est 4 hein, au début du tour de jeu. Les activités sont conventionnelles, donc toutes les activités réclament 4 unités d'herbicides. Alors en fait, cette quantité d'herbicides hein, représente la quantité d'herbicides qui n'a pas été neutralisée par les herbes présentes donc sur les terrains. Donc quand l'agriculteur, là c'est l'agriculteur, donc quand l'agriculteur applique ses herbicides, bah, une partie va servir effectivement à détruire certaines herbes, mais il y a une partie qui va rester, donc un résidu qui reste en fait bien à la surface. Et c'est cette partie, ce sont ces molécules, ces unités d'herbicides en fait, qui vont ensuite pouvoir éventuellement être transférées vers les eaux de surface ou vers les eaux souterraines dans la nappe.